Salut tout le monde, vous vous demandez peut-être où est passée mon intro, ne vous inquiétez pas, elle est toujours là. C'est juste que je voulais dire quelque chose, j'ai voulu apporter de la nouveauté à ma chaîne YouTube en créant la vidéo du vendredi. Alors je vous explique vite fait. Je vais sortir une vidéo tous les vendredis ou les vendredis une fois sur deux. Comme ça, si vous voulez me suivre pour mes prochaines vidéos ou pour savoir des nouvelles choses, vous saurez que le vendredi, ce sera la sortie de mes vidéos. Bon, c'était juste pour vous dire ça, hein. Bon visionnage. Mon intro commence maintenant et ma vidéo aussi. Allez, ciao! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien. Pourquoi je vais très bien? C'est tout simple, parce que comme vous savez sûrement tous, c'est la sortie de Black Ops 2. Il est déjà, au moment où je fais la vidéo, je l'ai déjà depuis un jour. Oui, un jour, c'est ça. Donc j'ai fait ma toute première vidéo dans Black Ops 2. Je vais pas vous dire la map parce que je ne sais pas du tout ce que je ne connais pas encore vraiment. Je sais que je joue à la MP7 avec le viseur laser, 8 gilets silencieux, je viens de voir. Donc MP7 viseur laser silencieux. Donc le commentaire, je fais tout improvisé, hein. Je fais ça dans toutes mes vidéos, c'est comme ça, je ne marque jamais ce que je dis dans mes vidéos. Alors, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, il y a une nouvelle chose. J'ai décidé de faire une vidéo tous les vendredis ou le vendredi une fois sur deux. Parce que ça se peut que pendant la semaine, j'ai pas le temps de faire une vidéo. Mais comme ce sera toujours le vendredi que la vidéo sortira, faudra attendre le prochain vendredi. Donc oui, je dis ça parce que je trouve que une vidéo où on sait pas quand les vidéos sortent, quand tout ça quoi, quand on sait pas que la vidéo n'est pas la chaîne YouTube n'est pas, on va dire, constante. Donc constante comme des vidéos qui sortent toutes les semaines ou tout ça. Donc je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, je voulais vous dire ça déjà. Ce sera surtout bon. Ce ne sera pas que sur du Black Ops 2. Ça peut être du MW2, mais je suis pas sûr parce que il y a pas le mode studio et c'est un peu chiant pour ça. Vous avez sûrement remarqué que je fais pas beaucoup de vidéos dans le MW2. C'est tout simple parce qu'il y a pas de mode studio. Sans le mode studio, c'est vraiment galère. Donc voilà, je vous dis ça. Donc ce sera peut-être sur Black Ops, MW3, Black Ops 2 et Battlefield aussi. Bon, il n'y a pas le mode studio, mais ça, sur celui-là, ça va. À part MW2. Après, sur les nouveaux jeux qui sortent aussi, je présente les nouveaux jeux qui sortent. Donc ça là, ça sera le vendredi. Donc déjà, je vais parler de ça. Après, on va parler un peu de Black Ops 2. Vous allez voir que je vais faire une très bonne partie. Alors que franchement, je crois que je sais pas mon niveau, mais je crois que j'étais que niveau 10. Je viens vraiment de commencer, j'ai dû faire, je sais pas du tout combien de parties j'ai fait, mais le jour où j'ai acheté, j'ai dû faire quelques parties, j'étais 4, niveau 4, non 3. Je ne pouvais même pas faire mes classes. Donc là j'ai joué un peu plus, hein. Vu que là on est, je vous dis, c'est mercredi. Donc le commentaire, je le fais mercredi, mais la vidéo sortira vendredi. Parce que c'est comme ça. Parce que... Et donc voilà, donc oui. Les killstreaks, je ne connais pas vraiment ce que j'ai. Je sais que j'ai le rap. Rapid Fire, quel con. Le Dragon Fire. Le truc de foudre là, comment ça s'appelle? Je sais plus, excusez-moi, franchement je ne connais pas, hein. Je découvre
Tant que vous, bah, pour ceux qui l'ont, donc voilà, donc je vais pas vous dire extrêmement beaucoup de choses sur les séries, sur les atouts, hein, je ne connais pas, tout simplement. Donc là, j'ai le Dragon Fire, je crois que c'est ça, je ne sais plus. Je ne sais plus, donc ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai cet engin qui vole, quoi. Bon, là, je ne vais faire qu'un kill avec. Bon, c'est un peu bête, mais je vais en redébloquer un plus tard dans la partie. Donc, je vais vous dire le score, je vais lui faire du 40. 40, je vais tuer 40 personnes. Je crois que je ne vais mourir que 3 fois. Donc, pour mes débuts, c'est pas... Franchement, c'est vraiment bien, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc, je ferai du sniper aussi, hein, parce que pour ceux qui me connaissent en vrai, ils le savent sûrement que j'adore le sniper, c'est l'une de mes armes favorites. Donc le mode, je suis en domination. Et comme vous le pouvez le voir, le mode domination dans Black Ops 2 se fait en deux parties. Soit on arrive à faire les 200 points dans la première partie, mais ce qui est rare, je crois, parce que j'ai fait plusieurs parties en domination quand même. Jamais on a fait une partie où les 200 points se sont faits dans la première partie. Donc ça se fait en plusieurs parties. Je sais pas c'est combien de temps par partie, mais je sais que c'est deux parties. Donc bah voilà, ça c'était pour vous dire ça. Après, ah oui là vous pouvez le voir, j'ai un, je sais même pas ça s'appelle comment encore une fois. C'est un engin que vous lancez. Et s'il détecte un ennemi ou un véhicule, je crois que j'ai compris que c'est ça. Je crois que c'est s'il détecte dans la zone un ennemi ou un véhicule, il va aller vers lui, il va exploser. Donc là j'ai lancé, mais le mec n'est même pas mort vu que il a dû se planquer derrière une façade ou quelque chose. Non, il n'est pas mort. Bon là j'ai voulu me planquer et pouvoir lancer mon. J'arrive pas à me rappeler du nom. Le foudroi. Gars, foudroi avant, je sais plus quoi. Donc j'ai voulu lancer, mais bon, il m'a repéré, donc j'ai continué mes quelques kills. Et non, je me suis dit que je lancerai après. Donc voilà. Après, je pense que je vais aussi faire... je vais vous faire découvrir le jeu Dead Space 2. C'est vrai qu'il est sorti il y a longtemps, moi je l'ai déjà fini depuis... énormément de temps. Donc bon bah c'est pas grave, c'est pour ceux qui connaissent pas, puis j'aime bien faire ce genre de vidéos. Je trouve que c'est bien une vidéo qui donne des frissons, qui fait assez peur. Bon peur. Bon voilà quoi, c'est des monstres et tout ça. Donc cette vidéo, les vidéos de Dead Space 2, je pense les faire sortir tous les mercredis. Ou un mercredi sur deux, comme je vous ai dit pour la vidéo du vendredi. Donc oui, si j'arrive à le faire tous les mercredis, bah je sortirai tous les mercredis, hein, bien sûr. Mais si je ne peux pas, ce sera une fois sur deux. Et puis comme j'essaierai d'alterner entre, par exemple, je ferai une semaine, ce sera le mercredi, la sortie de la vidéo du mercredi, soit Dead Space 2, et l'autre semaine, ce sera la vidéo du vendredi sur n'importe quoi, n'importe quoi. Donc voilà. Et je trouve là, je m'en rends compte qu'en parlant, comparé à ma première vidéo, comment je me suis amélioré pour faire les commentaires. Franchement, comme là, vous pouvez voir, j'en suis à plus de 8 minutes. Et je trouve que je suis tranquille quand même. Hein. Vous allez voir, alors là, vous pouvez voir que je conduis comme un dieu. Non, je dis ouais, mais je suis quand même bien passé entre deux portes vite. Donc oui, là, c'est là que j'ai débloqué, hein, encore une fois. Donc oui, je disais, je trouve que je me suis amélioré hein, pour mes commentaires. Donc en 12 vidéos, je trouve que je me suis vraiment amélioré. Donc pour les nouveaux youtubeurs qui trouvent qu'ils ont du mal à parler dans les vidéos, à faire les commentaires, ne vous inquiétez pas, c'était pareil pour moi. Vous pouvez voir ma première vidéo. Je me rappelle très bien c'était laquelle vidéo, c'était dans Black Ops. Où j'avais mes chiens, je faisais du 33-2 je crois. Donc, franchement j'avais du mal. Hein. Je l'ai recommencé des dizaines de fois. Là je vous dis c'est ma première fois que je fais le commentaire là. C'est ma toute première fois. Je sens que c'est la bonne. Regardez, je suis à 9 minutes,
En plus, comme vous, je viens de vous le dire au début de la vidéo, moi, quand je commence mes commentaires, je ne sais pas ce que je veux dire. Je vous dis, j'improvise toujours. Je n'ai jamais une seule fois fait une feuille ou ce que je devais dire. Donc là, ce que je dis là, c'est tout improvisé. Je le dis, je dis ce qui me passe par la tête. Donc pour ceux qui voudraient savoir, hein. Donc voilà, vous avez cette technique là, ça marche très très bien. C'est d'improviser, c'est tout simple. Au début, c'est vrai que vous allez trouver que c'est un peu dur. Mais au bout d'un certain moment, ça va aller. Donc là, ce que je fais, c'est que c'est mon truc là, le foudroyeur, foudroiement, je sais plus quoi. Moi, quand je joue, je vois les... Comme là, moi, j'avais une sorte de d'écran dans mes mains. Vous, ça vous met ça. Mais moi, quand je joue en vrai, au moment que je le lance, ça me met un écran où je peux cliquer 3 fois sur sur une zone et ça envoie. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais donc là c'est déjà fini. Donc bon, déjà je finis ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais par exemple dans le mode studio, ça vous met ça. Donc vous pouvez pas voir où j'ai visé. Bon, pas très grave, hein, mais c'est drôle vu que j'avais des choses à dire que j'ai même pas eu le temps de dire et la vidéo est déjà terminée. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Pour moi c'est passé très très vite, là, 10 minutes 50, j'ai encore des trucs à dire, bon. Ce n'est pas grave, je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Je sortirai cette vidéo vendredi sûrement, j'espère. Bon, sinon ce sera vendredi prochain, mais je ne crois pas. Je vais tout faire pour pouvoir la sortir vendredi. Bonne rentrée à tout le monde, hein. Même si je sais que c'est pas marrant. Bon bah voilà, abonnez-vous, commentez et aimez. Et pour ceux qui veulent me suivre pendant un certain temps, bah voilà, je vous annonce que tous les vendredis et j'espère bien tous les mercredis ou une fois sur deux. Donc voilà, je vous dirai ça après. Je vous sortirai des vidéos comme ça, ça sera plus constant et pour vous ce sera mieux, hein, parce que par exemple vous rentrez de l'école ou je sais pas de n'importe où, vous vous dites ah tiens, on est vendredi. Je vais aller voir la vidéo du vendredi de Liberty Game, par exemple. Bon, je sais que pour l'instant ça va pas se faire vu que j'ai 14 abonnés, je ne suis pas connu, mais j'espère me faire connaître. Donc je compte sur vous pour partager, commenter, aimer et vous abonner et me faire connaître, quoi. Hein. Bon, allez, salut tout le monde. Bye.